sortent le soir quand il fait noir. Oh, ils sortent le soir quand il fait noir pour venir hanter ton sommeil. Vous savez pas de quoi je parle. Je parle des perce-oreilles. Ben moi, j'ai fumé un perce-oreille un peu après le coucher du soleil. Il était beau, il était gros, il se promenait sur la table patio avec du perce-oreille dans le sein. Je fonce dans la vie droit devant. Sûrement que les perce-oreilles ont eu peur, parce qu'il y en a plus un qui m'écœure. Car j'ai fumé un perce-oreille un peu après le coucher du soleil. Il était beau, il était gros. Non, 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 non. J'ai fumé un perce-oreille un peu après le coucher du soleil. Ça goûtait la carapace. C'était vraiment dégueulasse. Personne les aime, les perce-oreilles. Sûrement parce qu'ils sont tous pareils. Avec le pain sur le cul qui sert à rien. Quand même, j'en ai pris un dans mes mains. Et j'ai fumé un perce-oreille un peu après le coucher du soleil. Y'en a chez vous, y'en a chez nous. Des perce-oreilles, y'en a partout. C'est toujours ceux qui en veulent le moins qui en ont le plus. Fumes à quelques-uns, c'est ça l'astuce. À ce temps, vous avez mes conseils pour vous débarrasser de vos perce-oreilles. Asti. Ça là, il y a ben du monde qui l'aime, c'est boule de joie, bonbon sucré. Mais ce qui arrive, c'est que quand j'ai composé cette tune là, j'ai crissement composé un bon riff, puis j'ai composé des paroles à botch sur un bonbon, man. Puis en tout cas, ça a pogné de même, fait que je suis pas pour changer les paroles puis faire d'autres choses avec, fait que j'ai gardé la tune sur bonbon.